Dans rapport ça, Fondation Zanmi Timoun fait une analyse sur la situation de Timoun dans le pays. Pour ça, nous avons considéré, Jean-Mano Achodil d'Aléa, plusieurs aspects. Ensemble, nous avons pris la situation de Timoun sur le point socio-économique. Pour Pipiti, 207 000 Timoun trouvés dans la condition de rester avec. Côté droit, identité, pifonan yo, violé. Dans le même sens, IHSI, qui est l'Institut haïtien de statistiques et d'information, a montré dans le mois de juillet 2023, côté inflation, tenant un niveau 39,8%, ce qui traduit pouvoir d'achat en plus de monde dérivé baissé. Si tout ça qui est vulnérable, qui donc, des parents qui ne viennent pas répondre à besoin primaire de Timoun. D'après tout, dans la situation sécuritaire, Timoun yo c'est catégorie qui plus exposé à violence yo. Violence groupe armé yo pour capable citer ça seulement. C'est yo qui plus victime de diverses actes violence tant coup viol, assassinat, enlèvement et latrier. À cause insécurité a vinn connayon l'autre montée surtout dans mi-temps année 2023, n'a dit plus précisément dans mois septembre nan. Et plus passé 200 000 moun rive quitter la caillou surtout et dans zone Kafoufei et parmi moun sa yo gagné environ 113 000 timoun. Donc en pile timoun yo pas arrivé capable aller l'école surtout dans timoun sa yo qui rive déplacé yo. Dans situation alimentaire crise sécurité pays a ap konnen pesé en pile sous situation alimentaire parce que pas gen moyen pour marchandises rentrer sorti dans capitale là, ça qui vient la cause famille yo tombé dans insécurité alimentaire. UNICEF te prédit ça pour année 2023 côté que te dit gen environ 115 000 timoun qui risque victime malnutrition sévère aiguë. Et CNSA bon côté parle qui c'est coordination nationale de la sécurité alimentaire était estimé que 14% population a connu insécurité alimentaire urgence pour année 2023, soit 1.4 million moun classé dans phase 4 et on l'autre côté 2.95 million l'autre classé dans phase 3. Donc timoun yo rete catégorie qui plus vulnérable et ça que nous te vive pour année 2023. Dans situation sanitaire aspect ça lui même tout crise sécuritaire et socio-économique là est frappé en pile côté en pile médecin rivé quitter pays a yo sauvé aller parce que yo pas vle victime et zak kidnapping. Accès à l'hôpital yo vinn plus difficile et timoun yo pas joine bon jan la soignay sans compter si la yo que parents yo pas gen assez moyen pour mener dans l'hôpital privé parce que dans l'hôpital l'état yo toujours gen grève pour médecin yo. Donc accès à yo montre nous que comment doit timoun rive violé dans situation migratoire côté n'a considéré deux points particulièrement. Premier aspect c'est programme humanitaire en parole que pays les États-Unis étaient ouvri dans mois janvier 2023 qui montrait côté grand pile monde qui rive quitter pays a. Mais l'autre ça qui plus critique dans aspect migratoire c'est côté gain on calvé que haïtien dans Saint-Domingue a monté par dos surtout depuis après lancement construction et canal là dans Wanamet, ça qui pral provoquer une gros vague déportation. N'a poué gen en pile ti moun ki pa accompagné ki rive sou territoire particulièrement nan Belade côté Fondation Zanmi Timoun li présent sou frontière sa et côté nous recevoir 564 ti moun ki pa accompagné pour toute année 2023 qui gen la donne 469 garçons et 95 ti filles. Pour aspect justice là et pour ça qui gen avec cause justice là et c'est coupi ti moun yo continuer à couper en dans Saint-Nicolas. Il y a connait des situations vraiment difficiles. Question de détention préventive prolongée seulement qui a parlé en dedans et Sermicol. Puis fort timoun yo poko passer devant juge naturel yo. Donc c'est ensemble aspect que nous dérivé considérer sans côté l'autre aspect encore qui rivé poser problème dans question violence sur droit timoun pour année 2023. En plus tout constat violation droit timoun sa yo, dans même l'ANCEA, Fondation Zanmi Timoun a formulé un ensemble recommandations.
n'a demandé l'État pour lui établir un système de protection ti moun efficace en façon globale pendant la prend en compte ti moun dans tout pays a mais surtout ça qui vulnérable. N'a demandé li tout pour lui faire promotion protection ti moun sous échelle internationale à travers partenariat public privé en façon pour garantir respect droit ti moun partout dans monde là. Pour lui garantir tout sécurité ti moun yo sur tout territoire national là et puis créer conditions pour si là qui dans quand yo retourner la caillou. Améliorer travail social qu'a fait pour ti moun qui en conflit avec la loi, mettre en place dispositif prise en charge post-carcérale pour soutenir réinsertion avec particulièrement yon coordination dans établissement scolaire yo pour yon réinsertion plus facile et un système API pour famille yo pour favoriser réinsertion familiale. N'a mandé li tout pour li améliorer système justice pour mineur pendant la réduit taux détention préventive prolongée. Et pour nous finir, nous demandons à l'État pour lui faire promotion pour développement économique, famille qui gagne revenu qui fait bio, des mères au foyer ou bien des gens qui sont responsables de la caillou, il y a une façon pour faire prévention contre la domesticité et puis exploitation des gens. Nous demandons aux organisations de la société civile pour renforcer la capacité d'organisation de la communauté de base, de causer monitoring, promotion des droits des gens dans toutes circonstances et sans distinction. Fait promotion tout pour protection ti moun nan émission radiophonique télévisée et puis sur réseaux sociaux. N'a mandé tout à organisation internationale yo pour fournir appui technique à l'État qui capable faciliter mise en œuvre système protection ti moun plus efficace et plus efficient. Et n'a mandé yo tout pour financer programme qui fait promotion droit ti moun. N'a même lancé ça. Fondation Zami Timon a profité de l'occasion ça pour lui condamner les actes violence qu'a fait sur mineur dans quartier populaire yo et puis actes violence la police a fait sur ensemble mineur qui dans la rue qu'a chercher la vie avec bien-être parce que yo pas joine. Fondation Zami Timon toujours organisé une série activités pour porter mosso qui est content avec la joie dans quartier Timon yo pour sa saute fête pour année 2023. Premier événement qui était passé pour année 2023 ça, c'était célébration 22 ans d'existence, 22 ans de service de Fondation Zami Timoun à la communauté haïtienne qui était arrivé 13 février 2023. Moment ça nous t'ai marqué avec une série activités nous t'ai organisé. Tant coup sensibilisation sur droit Timoun dans l'école dans zone métropolitaine nan. Yon journée porte ouverte te organisé tout côté nous avons possibilité à grand public là pour visiter espace nous. Nous avons fait présentation rapport situation droit timoun yo pour année 2022 ya. Et puis yon séance formation sur protection de l'enfance te fait tout. Soti 7 pour arriver 9 juin dans cadre célébration journée nationale de l'enfance qui était tombé 11 juin, Fondation Zami Timoun te fait sensibilisation dans collège Sainte-Claire d'Assise sous thème en continue prend soin ti moun. Soti 11 pour arriver 14 juillet 2023, Fondation Zami ti moun t'est engagé dans une mission à Awanamet et puis Belader. Côté Awanamet, il t'est gain pour le faire on visite évaluation de yon l'autre organisation qui relie Grabec sous demande de UNICEF et puis visiter frontière Awanamet lan pour observer conditions déportation ti moun yo. Dans même mission ça staff qui était engagé dans mission était gagné pour aller Belader tout pour rencontrer UNICEF pour une visite programmatique et puis suivre en formation après et aller sous frontière Belader là pour faire même travail là. 28 juillet 2023 Fondation Zami Timoun te fait présentation rapport situationnel pour 6 premiers mois année 2023 sous droit Timoun yo. Dans une conférence de presse qui était faite dans le local.